Ce message est adressé à l'église de Scientologie. Nous sommes Anonymous. Depuis des années, nous vous observons dans l'ombre. Vos campagnes de désinformation, la répression des dissidents, ainsi que votre nature litigieuse, tout cela a attiré notre attention. Avec la diffusion de votre dernière vidéo de propagande sur Internet, l'extension de votre influence néfaste sur ceux qui vous font confiance, ceux-là même qui vous appellent dirigeants, est devenu clair à nos yeux. Anonymous a donc décidé que votre organisation devrait être réduite à néant. Pour le bien de vos adeptes, pour le bien de l'humanité et pour notre propre amusement, nous devons de vous expulser d'Internet et de démanteler la Scientologie sous sa forme actuelle. Nous vous reconnaissons comme un adversaire de taille, ainsi nous nous préparons pour une longue, très longue, campagne. Vous ne pourrez lutter éternellement contre la conscience populaire. Vos méthodes, hypocrites et souvent frauduleuses, ont sonné le glas de votre organisation. Vous ne pouvez vous cacher car nous sommes partout, nous représentons toutes les classes de la société actuelle. Nous sommes vos facteurs, vos bouchers, vos cadres, vos médecins, vos voisins, vos amis. Anonymous ne peut être éradiqué, car nous sommes une volonté présente en chacun. Pour chaque Anonymous qui tombe, 10 prendront sa place. Anonymous est légion, car nous sommes innombrables, dans chaque ville, de chaque pays. Il ne fait aucun doute que vous utiliserez l'action d'Anonymous en tant qu'exemple de la persécution subie par vos membres. La Scientologie classifiant comme SP les personnes à braquer et à faire taire, nous acceptons cette étiquette. Vos croyants se réveilleront et verront que leur salut n'a pas de prix, ils comprendront alors que le sentiment de frustration et d'injustice qu'ils ressentent n'est pas issu d'Anonymous, mais bien de la manipulation à laquelle ils ont été soumises depuis des années. Pour défendre notre cause, Anonymous demande à tous ceux qui défendent les mêmes idéaux de descendre dans les rues le 10 février, date anniversaire de Lisa McPherson, décédée entre les mains de la Scientologie. La connaissance n'est pas à vendre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas.